Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo actualité Disney de décembre 2016. Une vidéo encore bien chargée avec beaucoup d'actualités que j'ai hâte de partager avec vous. Avant toute chose, je tiens à vous annoncer un événement qui va être important sur ma chaîne en décembre. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'où l'intérêt de me suivre d'ailleurs, vous n'avez pas pu louper ma grande annonce puisque je vous ai dit qu'en décembre nous allions faire un premier live sur ma chaîne, ce sera le tout premier. Pendant une heure ou deux je resterai avec vous et on pourra discuter en live, échanger, etc. Et j'ai super hâte de faire ça. Ça va être génial. Je vous avais promis la date sur les réseaux sociaux mais je me suis dit que j'allais vous l'annoncer sur YouTube parce que comme ça, eh bien, vous ne pourriez pas la rater. Alors, on se retrouve donc le samedi 10 décembre à partir de 14h sur Disney Tubeuse. Soyez au rendez-vous, commentez un maximum. J'essaierai de répondre à un maximum de questions et j'ai vraiment hâte de vous y voir, la Disney Army. On va commencer sans plus tarder avec l'actualité cinéma, avec plusieurs actualités qui sont tout d'abord la sortie du film Vaiana, la légende du bout du monde, qui est sorti le 30 novembre dernier, donc c'est assez récent quand même. C'est le film Disney de Noël. Je vous ai fait ma critique sur ma chaîne il y a quelques jours et je vous invite vraiment à la visionner et à ce qu'on échange là-dessus justement parce que je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis sur ce film. Il y a aussi un événement assez particulier et là je vous conseille vraiment de regarder le programme de vos cinémas puisque le 7 décembre il va y avoir les Alice Comedies qui vont être diffusés. Alors qu'est-ce que c'est les Alice Comedies? Ce sont des courts-métrages, des petits films en noir et blanc qui ont été faits par Walt Disney lui-même. Ce sont des films où en fait on a Alice qui est donc une enfant qui est dans un monde de fiction avec des personnages animés et tout, c'est un peu... les origines d'Alice au Pays des Merveilles, vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y en a 4 en version noir et blanc et restaurée qui vont être diffusées au cinéma. Et je pense que ça peut être vraiment cool à voir. Le 14 décembre, vous avez également la sortie de Star Wars Rogue One, qui est un film qui se situe entre les épisodes 3 et 4 de Star Wars. Je ne vais pas vous mentir, je n'aime pas du tout l'univers Star Wars. Non seulement j'aime pas l'univers Star Wars, mais en plus j'en ai jamais vu. Et j'ai absolument pas envie de voir les films du coup. Il n'y aura pas de critique sur ma chaîne, ceci dit je pense que vous trouverez quand même de chouettes choses sur YouTube. Un spin-off qui racontera comment un commando rebelle se lance dans une mission pour voler les plans de l'étoile noire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense qu'il y a quand même des fans de Star Wars dans ma Disney Army, non? Et enfin, dernier film dont je dois vous parler, c'est la sortie du film Ballerina. Alors Ballerina c'est pas du tout un film Disney, c'est un film de Noël qui a l'air plein de charme et que moi je vais aller voir puisque vous retrouverez ma critique sur la chaîne le 14 décembre pour la sortie en salle. C'est un film qui raconte l'histoire de Félicie, une orpheline de 12 ans qui est passionnée de danse, qui va s'échapper de son orphelinat avec Victor. Ils vont atterrir à Paris et ils vont atterrir à l'Opéra Garnier. C'est une jolie histoire très poétique et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir la critique sur ma chaîne. Il y a des moments parfois dans certaines actualités Disney où je vous parle un petit peu des trailers qui sont sortis récemment. En novembre on en a eu deux très forts sur lesquels j'avais envie de parler avec vous. Alors tout d'abord on a le trailer de La Belle et la Bête, le film live action qui sort en mars 2017 et qui est très 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 attendu et que pour ma part j'ai vraiment hâte de voir. Donc on a eu la première bande annonce officielle avec tout un tas d'images. Pour ma part j'ai été vraiment subjuguée, j'ai un petit peu de mal avec la représentation de Madame Samovar et Zip pour être honnête, mais d'un autre côté je vois pas trop comment ils auraient pu le faire, donc je leur pardonne. Par contre les tenues de Emma Watson, on en parle, de la tenue rouge, la cape d'hiver que j'adore, on a aussi la bête, on a la scène du bal, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé puisque dans l'histoire originelle le père de Belle se fait kidnapper par la bête parce qu'il a pris une rose pour sa fille. C'est un moment qu'on voit du coup dans le film, du coup je me demande si on va avoir le droit à l'histoire originale puisque à la base Belle a des sœurs et ses sœurs sont un peu comme les sœurs de Cendrillon, vous voyez. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette partie là en tout cas comme on l'a fait dans Cendrillon, je pense qu'ils vont rajouter des choses qu'on n'a pas dans le dessin animé et que ça va être très sympa. En tout cas on vous a promis une bête qui serait plus fun et plus drôle et ça par contre je vous avoue que j'ai assez peur parce que moi j'aime l'idée d'une bête imposante, terrorisée, assez mal dans sa peau, qui a une vraie profondeur, et je me dis que si on en fait un personnage comique je sais pas si je vais accrocher. Et alors le deuxième film dont je vais vous parler, la bande annonce de Cars 3. Alors grosse surprise pour ma part puisque je ne suis pas fan de l'univers de Cars, j'avais trouvé le premier pas trop mal mais bon c'est pas franchement le film que je regarde en boucle, et le 2 je l'avais trouvé vraiment pourri, du coup je m'attendais à un 3 horrible. Et en fait, en voyant la bande-annonce, j'ai été vraiment surprise, voire choquée, parce que on a vraiment une dimension assez dramatique qui ressort de ce film. Et on sent vraiment qu'il est arrivé quelque chose à McQueen et que ça va tout remettre en cause. Alors je me dis que le ton de ce film va être très différent des deux premiers. Il a l'air d'être beaucoup plus sombre et je me dis que comme Toy Story, le troisième opus peut être une très bonne surprise et meilleur que les deux précédents. Je suis prête à lui donner une chance et j'attends vraiment de découvrir la suite pour savoir justement
ce que ça donne. Je vais aussi vous parler de l'actualité télévisuelle de ce mois de décembre, sachant que pour l'instant je reconnais que j'ai très peu d'informations, mais de toute façon je vous partagerai sur Twitter voire sur Facebook les informations s'il y en a qui passent. De toute façon avec le mois de Noël je suis persuadée qu'on aura plein de films Disney à la télévision. Donc la première actualité dont je souhaite vous parler, c'est le marathon Hannah Montana qui va être disponible sur Disney Channel. Alors pour l'instant j'ai vu ça annoncé que sur les versions US, mais je me dis que ce sera peut-être le cas chez nous aussi. Donc si vous êtes fan d'Hannah Montana et de Miley Cyrus, c'est vraiment le moment de rester connecté. Je vous en avais parlé dans une actualité Disney, mais alors je sais plus de quel mois, je pense que ça doit dater des mois d'été ou des tout premiers mois que je vous avais fait sur ma chaîne. Dès le 9 décembre il va y avoir la diffusion d'une série Lego et la Reine des Neiges avec une histoire complètement différente, ce qui a l'air très sympathique. Alors là encore je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé chez nous, ceci dit j'ai l'impression que l'écart se réduit un petit peu entre les diffusions US et françaises au niveau Disney Channel, donc peut-être qu'on aura ça bientôt chez nous. On continue cette actualité Disney de décembre avec l'actualité merchandising, et là on sent vraiment qu'on est à Noël parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager ce mois-ci. En particulier l'affiche Pin Trading de décembre que vous pouvez retrouver juste là. Vous avez également le Pins Cast Member qui sort chaque année, et donc là le 1er décembre vous avez le Pins de Tic ou de Tac, je sais toujours pas les reconnaître. Voilà. Je pense que c'est celui de Tic qui est très sympa, j'aime beaucoup le design. Vous avez également un événement Pin Trading qui se passe le 17 décembre sur le parc mais qui est déjà complet. Mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que j'adore le thème et que je pense que les pins seront disponibles à la revente ou à l'échange ou quoi. Alors le thème c'est le réveillon de Belle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous allez à cet événement, je serais curieuse de savoir s'il y a des membres de la Disney Army qui sont présents. Et si c'est le cas, j'espère que vous me raconterez cette journée parce qu'à mon avis ça va être magnifique. On va passer un peu à autre chose que les pins puisque le 6 décembre prochain nous aurons la poupée en édition limitée de Vaiana, la légende du bout du monde, donc dans sa tenue d'aventurière qui sort et qui sera à 84 €. Bon déjà j'ai arrêté les éditions limitées, mais pour vous donner un petit peu mon avis, je trouve qu'elle est très fidèle et très ressemblante au dessin animé. Par contre je trouve qu'elle ne vaut pas son prix par rapport au manque de détails et d'accessoires qu'on a sur d'autres poupées. Maintenant elle est très belle et je pense que de près il doit y avoir des broderies, il doit y avoir des perles, etc. Comme Vaiana n'a pas de tenue de princesse dans le film, c'est compliqué je pense de lui faire une tenue qui correspondrait au haut trailer. Mais je suis contente quand même qu'elle ait sa place dans la collection. Vous avez également la sortie Tsum Tsum du monde de Nemo et un sac Dory. Alors pour ma part j'accroche pas du tout pour la simple et bonne raison que pour moi c'est du vu et revu et je suis hyper déçue parce que bah, j'aime bien les nouvelles séries et ça il me semble qu'on l'a déjà eu. Bon ok ça doit peut-être pas être les mêmes expressions de visage, il doit y avoir des légères différences. J'aimerais bien qu'on ait justement des nouveaux concepts. Je pense par exemple à Petit Quick qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui a fait récemment sur sa chaîne un déboxing et Tsum Tsum venu du Japon. Et dedans elle avait une collection des nouveaux héros en leur tenue d'armure, donc en tenue normale, que j'ai trouvé absolument magique. Et je me dis pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça plutôt que d'avoir des rééditions qu'on a vues et revues, enfin... coup de gueule quoi. Mi-décembre vous avez également la sortie de bustes Grand Jester qui sont des collections que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un exemple. Alors ça c'est un buste Grand Jester, le buste d'un personnage avec un bas un petit peu différent. Maintenant ce ne sont plus des éditions limitées si je ne dis pas de bêtises, mais ce sont de très belles pièces qui sont absolument magnifiques. Celle-ci est numérotée puisque j'ai la 184... Ah oui quand même, j'ai la 184 sur 3000. Et donc vous aurez la sortie de Tiana, du docteur Facilier, Picsou, Riri, Fifi, Loulou, Tic ou Tac avec une chemise hawaïenne. Et personnellement c'est des collections que j'aime beaucoup. Ceci dit, là il n'y a pas de personnage qui m'intéresse. Tiana et Facilier ont l'air d'être bien faits, donc pourquoi pas, mais je ne pense pas craquer. Vous avez également pour les fans de collection les Funko Winnie qui sortent. Alors je ne sais pas exactement quelle semaine. Donc vous avez les Funko de Winnie avec beaucoup d'éléphants d'ailleurs. Il y en a un que je... enfin je sais pas d'où il vient. Donc là encore, si vous savez de qui il s'agit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que pour moi c'est la grande question. Mais si vous êtes fan de Winnie l'ourson et de ses amis, je pense que c'est un must have à avoir. Un cadeau que j'ai trouvé très sympa et que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il est sorti le 1er décembre, c'est le grand quiz des questions Disney avec 500 questions. Je pense que ça peut être un cadeau très sympa pour un adulte ou pour un enfant passionné de Disney, voilà. Ça peut être une bonne idée pour une soirée en famille ou entre potes à délirer, à se poser des questions, etc. D'ailleurs côté jouets, vous avez également une collection Lego et Vaiana qui va sortir prochainement. Là encore pas de date, mais restez connectés parce que si je l'ai je vous la partagerai sur les réseaux sociaux. Vous avez également le DVD du live action Peter et Elliot le dragon. D'ailleurs je vous avais fait ma critique du film il y a quelques mois quand il était sorti en salle, que j'avais eu la chance de voir aux États-Unis d'ailleurs. Donc ce film sort en DVD, Blu-ray et dans tous les formats disponibles le 17 décembre en France. Et enfin, dernière petite collab, vu que vous savez que j'aime beaucoup la mode Disney, il y a une collection Disney en partenariat avec
Cats Kidson qui sort le 3 décembre. Alors je ne sais pas si ça sort en France, je sais que ça sort sur le Disney Store anglais, donc je me dis peut-être sur le nôtre aussi, avec des pièces très sympathiques sur le thème de Mickey et Minnie. Alors j'aime pas Minnie, mais j'avoue que les pièces sont vraiment très très jolies sur tous les thèmes, que ce soit maison, adulte ou enfant, et j'aime beaucoup et je pense que je vais craquer. On termine avec l'actualité des parcs Disney, et cette fois-ci ce sera une actualité vraiment spécifique à Disneyland Paris, puisque le mois dernier je vous ai parlé de toutes les animations disponibles pour Noël. Moi de mon côté je vais vous parler de plusieurs réouvertures d'attractions à Disneyland Paris qui sont très attendues par les fans. Je pense notamment à la réouverture de Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, qui est très attendue puisqu'elle est fermée depuis plus d'un an maintenant. Elle réouvre donc le 17 décembre et en grande pompe puisqu'il y aura les geysers de Frontierland qui vont être réouverts eux aussi. Enfin, les effets qui avaient disparu depuis très longtemps vont revenir à la charge. Donc si vous avez la chance de faire l'attraction, puisque bah moi je ne peux pas la faire pour question de santé, si vous avez l'occasion de faire cette attraction, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est beaucoup mieux qu'avant ou pas du tout, afin qu'on partage ça ensemble. Vous avez également, bon là c'est une attraction mineure, mais enfin, la réouverture du labyrinthe d'Alice et surtout du château réouvrira le 3 décembre 2016. Alors pour ma part, je suis surtout contente que ça réouvre dans le sens où je trouvais les bâches absolument immondes sur le parc, et je suis contente que ça dégage et qu'on retrouve notre joli labyrinthe. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour l'actualité Disney de décembre 2016 qui était très chargée, du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude si jamais j'en ai oublié certaines. Je suis sûre que ça intéressera comme d'habitude la Disney Army. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air aussi si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes content de voir les vidéos de Noël qui débarquent sur la chaîne, puisque nous en avons encore pour quelques jours hein. Je suis trop contente. À partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout si elle peut être utile à d'autres personnes, ça me ferait extrêmement plaisir de retrouver la vidéo sur d'autres pages. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que bah, vive la Disney Army qui est de plus en plus nombreuse, et merci à vous pour votre soutien. N'oubliez pas, le 10 novembre, je vous donne rendez-vous pour un live spécial. Voilà ma Disney Army, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à demain, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Elle est confiante. Abonne-toi.